Ce qu'on voit là, ce sont des images qui ont été fournies par une équipe de CNN qui a accompagné des soldats israéliens dans ce qui semble être, en tout cas les journalistes l'affirment, tout près des hôpitaux à Gaza et un réseau de tunnels là, y conduisant. Allons en parler de la situation à Gaza avec le brigadier général Gaston Côté qui est avec nous au bilan. Bonsoir, général. Merci d'être là encore une fois. Oui, bonsoir. Alors donc, vous suivez les informations, les nouvelles comme nous, avec votre expérience. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain en ce moment-là? Ils sont rendus environ, ils ont fait une progression d'environ 5 km à partir de la frontière nord qui sépare Israël de la bande de Gaza. Là, ils sont rendus dans le secteur de Rimal, qui est le secteur où le gouvernement avait son siège, son parlement, si on veut, dans la bande de Gaza. Et puis, c'était aussi le centre de police qui est là, et aussi l'école d'ingénierie. Mm-hmm. Alors, les constats qui ont été faits, c'est qu'évidemment, ce centre-là, à Rimal, est quand même relativement proche, en fait, de l'hôpital Al-Shifa. Al-Shifa est environ à 1 km à peine de l'endroit où ces photos-là ont été capturées. Et puis, à ce moment-là, on peut constater qu'il y a quand même eu des bombardements tout autour et ça se rapproche finalement de l'hôpital. Tous les édifices, en fait, communs, comme les hôpitaux, les mosquées, les écoles, ont tous fait l'objet finalement d'une vigilance accrue, à savoir est-ce qu'il y avait des connexions pour les tunnels qui parcourent finalement tout le souterrain finalement de Gaza. Et puis, ces souterrains-là, ces tunnels-là, finalement, ben, on en a découvert plusieurs entrées près des édifices gouvernementaux, justement. Alors, Al-Shifa, comme tel, ben, présentement, c'est non seulement un hôpital qui peine à produire des soins pour la population, parce qu'il leur manque de tout, mais il y a aussi, tout autour de l'hôpital, il y a des gens qui se sont réellement approprié le terrain en pensant qu'il serait en sécurité dans ce coin-là. Alors, les constats qui ont été faits principalement dans le sous-sol de l'hôpital, c'est réellement qu'il y avait possiblement un endroit où il y avait justement peut-être même des otages qui ont été conservés là, parce que le tableau que vous voyez justement, c'était le chiffre de garde, si on veut, avec chacun des gardes qui devait prendre soin des captifs qui étaient là et qui signait son nom. Alors, c'est véritablement une révélation de l'utilisation de l'hôpital. Évidemment, les gens qui sont les responsables de l'hôpital vont toujours dénier cette information-là, parce qu'ils ne veulent pas être associés, être en complice, mais il faut bien reconnaître le fait que le Hamas, s'il est identifié comme une entité terroriste à l'échelle mondiale, ils terrorisent pas seulement Israël, ils peuvent terroriser aussi leur population de façon à ce que la population ne nuise pas à leurs opérations. Dites-moi, général, on m'informe que l'armée israélienne vient d'émettre un communiqué disant, et là je vais le citer en traduisant, là, qui confirme que l'armée a lancé une opération de précision autour ou dans l'hôpital Il-Shifa. En langage militaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que là, ils sont à pied là, réellement et qu'ils sont en train de fouiller l'hôpital pour trouver des preuves de la présence de Hamas dans ce secteur-là. Évidemment, auparavant, l'hôpital était sans doute sous observation par des groupes des forces spéciales de façon à confirmer si oui ou non il y avait du mouvement de personnel armé qui sortait de l'hôpital. Évidemment, ce que les Israéliens redoutent, c'est justement, en avançant trop rapidement, c'est que les terroristes du Hamas peuvent utiliser les tunnels et peuvent prendre à revers les troupes israéliennes qui avancent. Évidemment, on voit aussi des chars d'assaut. Ça, c'est pas réellement problématique là, pour la majorité des soldats qui sont à pied, mais ils ont quand même, le Hamas possède des amas de chars et plusieurs chars ont été sinon détruits, du moins sévèrement endommagés, de façon qu'ils n'étaient plus capables réellement de poursuivre le chemin afin de protéger les troupes au sol. On est quand même rendu à près de 50 morts parmi les soldats israéliens. Et ça, chaque fois qu'il y a des morts, bien, à ce moment-là, il faut bien compter qu'il y a de 3 à 5 fois plus de blessés. Les amas de chars ont eu raison de quelques-uns de ces chars d'assaut, qui sont des Merkava, qui sont réputés extrêmement solides. Alors, on peut voir qu'ils ont
certainement des armes suffisamment fortes pour pouvoir réduire les capacités de l'armée israélienne. En terminant, Général Côté, aujourd'hui, le président Biden a volé comme ça, a dit, en parlant des otages, parce qu'il y avait des manifestations à Washington, nous nous rapprochons, nous arrivons. En parlant de la situation des otages, on note depuis le début de l'opération à Gaza même, il n'y a pas un otage qui a réussi à être libéré. Donc, c'est clair que le Hamas a sa tactique pour reculer sans doute et éviter. Mais c'est là-dessus que ça joue. L'Israélien espère encore pouvoir les retrouver ou les libérer vivants. Oui, effectivement. Et puis, il y a toujours une négociation qui est présidée par le Qatar concernant la situation des otages. Maintenant, il y a beaucoup de pression à l'intérieur d'Israël, justement, par les familles de ces otages-là, de façon à les rapatrier. Les forces spéciales, évidemment, sont à la recherche de tout indice qui les permettrait, justement, de les libérer et de, premièrement, confirmer leur endroit. Mais il faut bien se rendre compte qu'ils doivent être un peu dispersés dans tout le réseau de tunnels et être capables, à ce moment-là, d'être un peu partout, finalement, sur le territoire de Gaza, ce qui complique énormément la tâche des forces spéciales dans ce cas-là. Brigadier général Gaston Côté, merci encore une fois pour votre éclairage. On poursuit la discussion. On retrouve Marc-André.